super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Si tu aimes notre chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi. Coucou les loulous. Alors coucou les loulous, aujourd'hui on se retrouve pour une super méga vidéo. Alors, super spéciale parce qu'on a été tagués. On a été tagués par une chaîne YouTube qui s'appelle Swan Cooking Magic. Et oui, on a été tagués par la chaîne Swan Cooking Magic. Alors si vous ne connaissez pas, on vous invite à aller voir dans la barre de la description. Voilà, en bas. Et vous aurez le lien pour aller voir sa chaîne. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner et aller voir aussi son No Cut Tag Challenge. Oui, parce que c'est la vidéo qu'elle nous a demandé de faire. J'ai un peu de mal à le dire. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est le No Cut Tag Challenge? Ça veut dire qu'on a le droit de faire aucune coupure dans une vidéo et aussi il faut répondre à des questions. Voilà, tout à fait. Alors, on n'a pas droit au montage, on n'a pas droit aux coupures. Par contre, bon, on aura juste la petite intro au début puis la fin. Donc, en milieu, il n'y aura aucun montage vraiment dans la vidéo. Il n'y aura aucune coupure. Alors, est-ce que vous êtes prêts à répondre aux 19 questions? Oui. Parce qu'il y en a 19. Ouais, 19. Mais vous allez voir, je pense que ça va passer vite. Alors, par contre, Corentin et Océane ne savent pas encore les questions qui vont leur être posées. Alors, on y va, on commence? Oui. Ouais, Océane, t'es prête? Oui. Allez, alors, question 1. Alors, quel est ton logiciel de montage? Alors là, c'est plutôt une question pour maman. Alors, mon logiciel de montage, j'en ai deux. J'en ai un. T'as un document? Non, c'est pas ça non plus. Alors, j'ai iMovie, parce que je travaille sur Mac, donc iMovie. Et ensuite, un deuxième qui s'appelle Filmmaker Pro, parce que c'est comme ça qu'on fait les incrustations avec les fonds verts. Voilà, quand des fois, on tourne sur fond vert. Ensuite, alors, deuxième question, super facile. Comment t'appelles-tu? Corentin. Océane. Et moi, je m'appelle comment? Sabrina. Sabrina. Et le papa? Bon, si tu veux, tu peux dire un peu. Franck. Franck, voilà. Bon, voilà, vous savez tout. Ensuite, quel âge as-tu? 5 ans. 7 ans. Ouais, 5 ans et 7 ans. Et maman, elle a quel âge? Maman, elle a quel âge, on le dit? Elle a 23 ans. Non, j'ai pas 23 ans, t'es gentil, mon loulou. J'ai 33 ans, les amis. Ouais, j'ai 33 ans. Papa, il a 40. Presque, parce qu'il a 3. Dit. Ouais, voilà. Les enfants disent tout maintenant, hein, vous savez tout. Presque. Ensuite, alors, ton youtubeur préféré? Moi, Mister Playmo. Moi, Sifano. Oh, super, ils vont être contents, hein, je pense. Hein, surtout Mister Playmo qui suit nos vidéos d'ailleurs. Moi aussi, j'adore. Moi aussi. Ensuite, question 5. Alors, dans quelle région habites-tu? Dans le sud de la France. Ouais, dans le sud de la France, mais plus précisément dans la région Languedoc-Roussillon. Voilà, donc c'est à côté de quelle ville qu'on habite? Nîmes. Voilà, Nîmes. À côté de Nîmes. On est dans le Gard. Dans le Gard. Oui, dans le Gard. Alors, une question super sympa, là, la question 6. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Alors, on va commencer par la plus pressée, Océane. moi, de jeter de la glace sur les gens. De jeter de la glace sur les gens? Mais pourquoi ça? Comme la Reine des Neiges, le pari. Ah, ok, tu m'as fait peur là. Et Corentin, quel pouvoir aimerais-tu avoir alors? J'aimerais bien avoir le pouvoir de... Attention, on n'a aucune coupure les amis, donc vous devrez patienter comme nous. Hein. En fait... De pouvoir voler. Ah, de pouvoir voler, ouais, ça c'est cool comme pouvoir. Comme un super-héros. Comme un super-héros, tout à fait. Oui, parce que dès que tu voles, tu peux aller là où tu veux, mais il y a plus dans les airs, alors après tu peux découvrir plein de trucs. Ouais, c'est cool ça. Et moi, vous savez ce que j'aimerais bien avoir comme pouvoir? Non. Me téléporter. C'est-à-dire que je suis là, et puis deux minutes après, enfin deux secondes plus tard, je suis ailleurs. Par exemple, je pourrais être à Disneyland. Je claque des doigts et je suis à Disneyland. Ce serait cool, hein? Ouais, mais moi, c'est beaucoup mieux puisque je peux voler parce que moi, au moins, je peux atterrir devant direct l'attraction. Ah ouais, c'est pas bête, ça. J'avais pas pensé. Ensuite, dans les loulous, nous avons une autre question qui est: quelles sont tes origines? C'est quoi les origines?
Ah, c'est quoi les origines? Alors, moi, le ventre de Baba Banque. Ah ben, décidément. Moi, vous construire dans le ventre de la maman. Ben décidément, tous les enfants répondent ça. Bon, je vais pas spoiler, mais allez voir la chaîne de Swan Cooking Magique. Parce que, alors vos origines, alors c'est pas ça. Alors vos origines, ah. C'est, est-ce que vous êtes d'origine française, française. Ou anglaise? Française. Bah oui, française, voilà. Ok. Ok, oui. Alors ensuite, c'est décidément tout le monde répond aux questions, mais bon. Ensuite, alors quel est ton jeu vidéo préféré? Alors moi, faudrait bien voir comme sur une plus grande, les jeux vidéo Reine des Neiges. Ouais, Sociane ne joue pas aux jeux vidéo, donc elle est un peu trop petite. Moi, il y a un jeu qui part par ci, un jeu qui part par là, en fait j'en ai plusieurs. T'as plusieurs, bah celui que tu préfères, hein, c'est lequel? Avec tes deux préférés, allez, ce sera plus facile comme ça. D'accord. Je peux regarder ton jeu, sérieux? Bah non, moi je vais te dire ce que tu as peut-être pas regardé dans les jeux. Alors tu as Mario Maker, Sonic aux Jeux Olympiques, Rayman la Légende, Lapin Crétin, Lapin Crétin quand tu vas chez mamie, tu as les Lego, je sais pas moi. Moi, c'était un jeu que j'avais il y a très très longtemps, maintenant qui ne marche plus, je sais pas pourquoi du tout, mais c'était La Grande Aventure Lego. Et mon deuxième, et ben c'est Jurassic Park. Alors en Lego aussi, hein? Oui. Jurassic Park version Lego. Ok. Ouais, mais en plus, tu joues beaucoup en ce moment. Alors, moi, je peux vous dire, moi, j'ai un jeu vidéo préféré. Bah, alors, c'est un jeu vidéo de quand j'étais petite. Toute petite. Qui est revenu d'ailleurs. C'est Super Mario Bros. 3 qui était sur la Nintendo NES. T'avais quel âge? Moi, pour les jeux vidéo cassette, et ben c'est Double Dragon. Alors moi j'avais quel âge? J'avais à peu près 10 ans quand j'ai eu la première Nintendo qui est sortie. Oui, je suis vieille les amis. Voilà. Alors ensuite, as-tu un animal de compagnie? On en a 4. On a un poisson, deux chats et un chien. Ok, ok. Bah ouais, c'est ça, tout à fait. Ah d'ailleurs le chien vient d'aboyer. Il a répondu à la question. Alors, question numéro 10. Quel est ton acteur préféré? Ça veut dire quoi, acteur? C'est quelqu'un qui... Tu sais, c'est un comédien à la télé, tu sais. Par exemple, celui qui joue Dark Vador. Un monsieur ou une dame qui fait des films. Moi, celui qui fait la Reine des Neiges. Ah, ok. Parce que moi, j'adore. La voix, par exemple. Voilà, celui qui fait Ouais. Alors, Océane, c'est la Reine des Neiges. Bien sûr, on ne regarde pas les films. Moi, je regarde les films et les séries. Mm-hmm. Moi, c'est celui qui joue Luke Skywalker. Ok, Luke Skywalker. Alors, les amis, je ne connais pas le nom de l'acteur, donc vous pouvez nous dire dans les commentaires. J'ai regardé beaucoup de films à une époque et j'adore cette actrice, c'est Julia Roberts. Voilà. Pourquoi tu n'aurais pas dit celle dans Je n'étais une fois? Dans What's Up with Time, je veux dire. Non. Pourquoi Transformers? Ça, c'est une chanteuse, c'est pas pareil. Ah, ok. Alors ensuite, quelle est ta série préférée? Ma série préférée, moi, la Reine des Neiges. C'est pas trop une série, Loulou, c'est un dessin animé, ça. Ah. Une série, tu sais, c'est quand tu regardes, par exemple, quand il y a plusieurs épisodes. Par exemple, tu regardes un dessin animé qui vient tous les jours à la télé à la même heure ou un film qui vient tous les jours à la même heure. Par exemple, Les Lapins Crétins. Voilà. Moi, c'est Les Lapins Crétins, c'est trop marrant. Les Lapins Crétins, ouais. Et Corentin? C'est Beyblade Burst. C'est quoi le Beyblade Burst? Ah, les Beyblade. Ouais. Les Beyblade, ok. C'est quoi les Beyblade? C'est des toupies. Oui, et en fait, il faut essayer de marquer 3 points pour essayer de remporter un match de toupies. Ah oui, ouais. Je connais. D'ailleurs, ce matin, je l'ai regardé. Et Océane, toi alors, c'est quoi? C'est comme Corentin. C'est comme Corentin? T'es sûr? Bon, on va dire comme Corentin. Beyblade, elle l'a pas regardé ce matin. Et moi, ma série préférée, vous savez ce que c'est? Ah oui, Once Upon a Time. Once Upon a Time, oui, tout à fait, j'adore ce que c'est. Pas Robin? Non, Robin, le principal, on regarde pas. Quel est ton film préféré? Et moi, c'est Robin. Moi, le Grinch. Le Grinch? Ouais. On a déjà regardé. Ah oui, avec Jim Carrey, ouais, exact, c'est super marrant. Moi, c'est Robin. Ok. Alors moi, si j'avais un film préféré... Ah non, la grande aventure d'Ego, on l'a regardé au ciné.
Ok, bon bah la grande aventure Lego alors. Et puis moi, mon film préféré, eh ben, je pense que ce serait Sister Act. J'adore Sister Act, je l'ai regardé au moins 10 000 fois. C'est un film avec des gens qui chantent dans une église et tout, c'est super marrant. J'adore ce film, voilà, j'adore. Ensuite, alors, et aussi, je chante un deuxième. C'est Retour dans le futur. Ah ouais, Retour vers le futur, ouais, pas mal. Il est trop bien. Ouais, il est trop bien. Alors ensuite, nous avons la question 13 qui est ta pire honte. C'est quoi la pire honte? Ben, c'est quand on a fait quelque chose et puis que on était un peu gêné, quoi. C'est, tu sais, par exemple, quand on a fait une bêtise ou quoi, quelqu'un nous a vu et on n'avait pas trop envie qu'on nous voit faire cette bêtise. Moi, parfois, j'ai honte, mais dès que je fais des trucs à l'école, qui sont super bien. Moi, parfois, j'ai honte quand... Ah, okay. En fait, quand je compte à rebours, en avant, ouais, je suis très gênée. Des fois, okay. Quand je... Okay. Bon. Des fois, la nuit, quand je me lève tout seul, voilà. Il y a mon temps. Ouais. T'as honte quand tu te lèves la nuit toute seule. Ok, bon, bah, les petits copains, je sais pas si vous aurez compris. Non, mais là, en fait, comme Corentin, on n'entend pas ce qu'il soit quelque chose... Qui fait pas trop de bruit. Ah, t'as pas compris, je crois, la question, mais je crois que t'en as pas vraiment eu de honte encore pour le moment. Par contre, maman, elle en a eu une vraie, vraie honte. Vous voulez rire un peu? Alors, un jour, j'étais petite, j'avais à peu près 10-11 ans, et j'allais à la piscine avec ma maman. Il y avait un grand toboggan, bah, ça, elle rigole déjà. Il y avait un grand toboggan. Et moi, je montais en haut du toboggan, je redescendais, etc. Et puis, à un moment donné, ma maman, elle s'est mise à rire. Et moi, je comprenais pas pourquoi elle rigolait. J'étais tout en haut du toboggan et elle rigolait. Et vous savez pourquoi elle rigolait? Non. Parce que j'avais craqué la culotte de mon maillot de bain et tout le monde voyait mes fesses. Alors ça, c'est une super honte, hein, les amis. Ouais. Je crois que ça a été la pire honte de toute ma vie. Ouais. Et ma maman me le disait pas, elle était nulle. Elle, au lieu de me le dire, elle rigolait. Oh là là, merci. Merci, mamie. Je te remercie vraiment de ne jamais m'avoir dit, enfin de ne pas m'avoir dit que j'avais un trou dans mon maillot de bain. Merci. Pouce en l'air pour toi. Alors ensuite, nous avons la question 14, qui est ta saison préférée. Alors, quelle est ta saison préférée? Moi, l'été. Moi, l'hiver. L'hiver. Moi, parce qu'on peut faire du pâte à glace. Ok, et l'été? Moi, l'été. Parce que aussi, on peut faire du ski. Ben moi, l'été... Et de la luge. Moi, l'été, eh ben, parce que en fait, on peut se baigner. Voilà, c'est mon bonheur de me baigner tous les jours. Ok. Et d'aller à la pessimisme. Ouais, aussi. Alors moi, ce serait plutôt l'hiver, comme Corentin, parce que j'adore la neige. Mais moi, si c'est les deux, moi, c'est aussi parce que j'adore faire Olaf. J'adore aussi faire du ski, apprendre du ski en fait. Ouais, bon, en fait, tu sais pas vraiment quoi. Moi, je sais faire du ski, mais il faut que je. Alors ensuite, question 15. Quel est le youtubeur que tu préfères? Tu l'as pas déjà dit? Non, je l'ai pas dit. On l'a déjà dit, Sifano et... Ah oui, pardon, c'était pas que tu préfères. Oh là là, je me suis payé la honte là aussi. C'est le youtubeur que tu détestes. C'est pas pareil. Aucun. Aucun. Moi aussi, en fait, j'ai pas vraiment de youtubeur que je déteste. Parce que de toute manière, quand on n'aime pas un youtubeur, on va pas regarder. Donc voilà. Donc non. T'as vu dans Fresh Pokémon, j'ai trop aimé une vidéo avec un ballon où il lui a tiré dans les fesses et après il est super mal dit. Alors continue, tu pars dans d'autres choses, toi, dans d'autres questions, mais c'est pas ça. Alors, quel est ton meilleur ami? Mon meilleur ami, moi, c'est Calyste. Ouais. Raz, Kitri, moi j'en ai trois. Ok, t'en as trois. Oh, t'as droit, hein. Et toi? Moi, je trouve des gens qui sont trop bibi, qui sont les soeurs de mes copains. Kitri, elle est trop mimi. Tes meilleurs amis, c'est qui? Avec qui tu joues à l'école? En fait, c'est Charles et Hugo. Ok. Kitri, elle est trop mimi. Okay. Celle-là, elle est toute petite comme moi. Charles, c'est vraiment mon meilleur ami. Oh là là, ça va leur faire vraiment plaisir, hein, je crois. Ton meilleur ami, c'est tonton Roland. C'est pas grave. Moi, mon meilleur ami, c'est tonton Roland.
Oh non, moi j'ai pas vraiment de meilleur ami en fait. Moi j'aime tout le monde. Voilà, moi j'aime tout le monde. Moi aussi j'aime. J'ai pas de préférence, on va dire. Ouais. Moi j'ai un ami préféré, c'est Rocky. Et moi c'est Dina et Rookie. Rookie et Dina sont les chiens et le chat de Corentin et Océane. Voilà. D'ailleurs, Rookie. Alors ensuite, on va Alors, quelle est la marque de ton téléphone? Apple. Mais est-ce que vous avez vraiment un téléphone? Moi j'ai une tablette, et moi c'est Samsung. Et moi j'ai une tablette juste ouais. Une tablette. Mais est-ce que vous avez un téléphone? Non, vous n'avez pas de téléphone. Non, mais la marque du téléphone de maman, et ben c'est Apple. Voilà, tout à fait. Vous êtes encore trop petit, hein? Oui, on a. On va attendre le collège. Corentin avait un téléphone mais tout pété. Ouais, mais c'était. Il était jouer. Apple. Oui. Non, il n'était pas pour jouer. Je voulais télécharger vraiment des applis. Oui, mais c'est pour jouer quoi. Tu pouvais pas appeler avec. Alors ensuite, la question 18. La personne que tu détestes. On déteste personne. Tu détestes personne? Mais tu l'as déjà dit. Non, c'était le youtubeur que tu détestes. Maintenant, c'est la personne que tu détestes. Personne. Par contre, moi, à l'école, Aaron. Ah, ok. Bon, ouais. Bah voilà. Et Alexandre Hugo. Ok, bon, bah voilà. Ouais. Au moins, voilà. Ok. Esteban aussi. Oh, bah alors. Heureusement que tu détestes personne. Quatre. Alors moi, franchement, détester... Moi, juste, la personne que je déteste, c'est pas beaucoup de personnes, c'est les rageux qui mettent des commentaires qui ne servent à rien. Ben moi aussi. C'est pas forcément que je déteste, mais c'est que voilà, donc ouais, tous les rageux, je trouve que ça ne sert à rien ce que vous faites. Okay. Donc voilà, donc c'est pas vraiment des et personnes aussi, que je déteste. Et aussi les parents qui font des choses à les enfants, là, voilà. Ouais, il faut aussi. Pas faire. Oui, oui, aussi, t'as raison ma chérie. Et ensuite, ma dernière question. J'attendais. Le nom de ton premier animal de compagnie. C'était... Winky, moi, je trouve. Parce que c'est le plus vieux de la famille. Oui, c'était Winky. Ouais, oui, c'est Winky, tout à fait. Le deuxième, c'était... Dina, et après, ouais. C'était Rookie. Et après, le dernier, c'était Polochon, le poisson. Voilà. Oui, voilà. Polochon, le poisson, moi. Ouais. La petite famille en fait. Donc tout à fait. Donc voilà, donc le premier animal de compagnie est un chat qui s'appelle Winky. Non, les loulous, qui est malade. Winky, il est malade. Il est malade, il est très vieux maintenant Winky. C'est pour ça qu'il est malade. Alors les loulous. C'est déjà la fin de cette vidéo. Mais pas tout. Alors est-ce que ça vous a plu? Oui. Oui. Ouais, hein, c'était cool, hein, c'était pas trop long, ça va. Oui, c'était pas trop long et en plus j'adorais la question de ta pierre haute pour la honte de maman. Allez, loulou, et moi vas-y. J'adore en fait c'est là où on a répondu Rocky. Ah ouais. Non, moi j'adore la dernière. La dernière. Quel est ton premier animal de compagnie, hein? C'est ça. Oui. Okay. Oh, j'adorais mon poisson, mais maintenant je vois plus moi. Allez, loulou, dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi liker. Et par contre, avant ça, il va falloir qu'on tague une chaîne à notre tour. Alors, je ne sais pas si on va taguer une chaîne chacun ou je ne sais pas. Non. Alors, qui est-ce que vous voudriez taguer pour faire ce challenge? Moi, c'est Caïs et Alia. Caïs et moi, Alia. C'est Noison. Ils l'ont déjà fait. Alors, On s'était décidé au début. Ouais, parce que Corentin et Océane, bien sûr. Moi, j'adore les clépomines. Le principe, j'en avais parlé. Et c'est vrai qu'ils avaient déjà pensé à des chaînes. C'est que moi, en fait, j'adore les Playmobil. Et ben moi, j'ai regardé toutes les vidéos de Corentin en Playmobil. Je les ai toutes regardées, je les adorais. Alors, donc, on tague. Donc, deux chaînes. Bon, je vais pas en taguer une troisième. Donc, on va taguer une chaîne chacun, vu que vous êtes deux à faire le challenge. Enfin, deux, trois avec moi, mais bon, c'est peut-être deux et demi. Donc, alors, on tague. Mister Playmo et Caïs et Alia. Pareil, on mettra peut-être 4.
Non, non, deux, ça suffit. Ça suffit, deux, Ozane, vous devrez taguer tout le monde, donc voilà. Donc, Mister Playmo et Kaïs et Alia, on vous demande de refaire le No Cut Tag Challenge. Alors, bien sûr, les liens de... pour aller voir la chaîne de Swan Cooking Magic sera dans la description. Je pense que je vais l'intégrer à la fin de la vidéo, parce que ça, j'ai le droit de le faire, je n'ai fait aucune coupure dans la vidéo. Et puis vous aurez aussi ben, la chaîne de Kaïs et Alia et tout ça, allez les voir, enfin allez voir surtout Swan Cooking Magic qui a pensé à nous, qui c'est super sympa de sa part, vraiment super sympa. Bon ben les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous. Bisous les amis. Ciao.